Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi. Je n'ai pas fumé hier, donc mes parents sont venus, on a fait barbecue. On a mangé dehors, il a fait très chaud. C'était très bien, et voilà. Donc aujourd'hui, j'ai repris le boulot à Boulogne. Encore pour demain, et mercredi, je ne travaille pas. Ça, c'est cool. Il va faire encore des températures de fou, ça va monter jusqu'à 30 degrés, tout ça, tout ça. Voilà. Mais bon, parce qu'en réalité, j'ai l'impression que qu'on est au mois de juillet, août. On verra ce que ça donnera au mois de juin, ça va pas nous jouer des tours, cette histoire. Hop. Alexis n'a pas tardé à rentrer du collège, il est 5h, il finit à 5h. Voilà. Donc je dois rentrer, faut qu'on renseigne sur le site EduConnect, là, ses orientations. J'espère qu'on a le temps, mais bon. C'est toujours pareil, on a le temps, on a le temps, on a le temps, puis après on n'a plus le temps, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps, quoi. Bref. David, il est là aujourd'hui, il travaille en présentiel. Là, il est pas au téléphone, donc ça a l'air d'aller. Voilà. Hop. Ah, il faut que je regarde ce qu'on mange ce soir. Je suis fatiguée parce que j'ai trop mal dormi cette nuit. Une catastrophe. Je suis un peu dégoûtée parce que. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça fait un petit moment là que je dormais super bien, sans souci. Et là, cette nuit, j'ai entendu Alexis. Je sais pas ce qu'il a fait, mais enfin. Oh là là, c'était insupportable, insupportable. Donc, je suis vraiment crevée ce matin. Ce soir. De salade, on a donné la salade à mes parents aussi parce que on croule sous la salade. Je vais faire un truc tout bête ce soir. Instant de pastèque qui reste 3 fraises, 3 framboises. Ce sera pour les desserts. J'ai oublié de racheter des yaourts en plus pour Alexis parce qu'il prend pas des yaourts. Moi je me suis acheté des petits pots à la laitière au chocolat puis des galettes au chocolat noir, mais Alexis, bon, je voulais lui prendre au lait d'amande, au lait de soja, au lait de coco, je prends. Ah, j'ai oublié. Mais bon, il fera 100, il y a des fruits. Ouais, il y a des trucs à manger. Ça ira très bien. Toujours observer son frigo et faire intelligent. Des fois qu'une idée puisse venir. Non, mais il y a des trucs à manger parce que on a fait les courses. Donc ça c'est bien. Hop. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, c'était juste pour introduire le vlog. David est en train de bosser dans le salon, donc je vais aller vite un petit peu dans le jardin. Tranquillou. Et puis je vais pas le déranger. Il est pas en ligne, mais bon. Il est concentré. Et voilà. Donc je vous dis à plus tard. Hello tout le monde, nous sommes mardi du coup. J'ai trop bien dormi cette nuit, du coup j'ai récupéré. Ça m'a fait du bien, même si je me suis levée tôt. J'ai un peu traînaillé ce matin, donc j'espère que ça va aller sur la route. Le monde a repris quand même depuis quelques temps là. Il y a un temps où on était quand même plus tranquille. Bah, il y a eu la période Covid, la période beaucoup de télétravail, la période augmentation de l'essence. Donc on était tranquille, mais là. Comme en 40 quoi, mais bref, écoutez, c'est comme ça, hein. Il n'y a pas trop d'autre choix. J'espère que vous allez bien. Dernière journée à Boulogne, je suis contente d'y aller aussi. Enfin, toujours comme ça, moi. Si elle est beau, cool. Très bien, j'essaie de vous montrer, mais c'est pas dit parce que mon truc il est mal installé. Hello la compagnie! Enfin, parce que je vous ai pris ce matin. Il est 16h, je rentre. C'est cool, j'ai eu beaucoup de monde sur la route ce matin, mais. Incroyable. Mais voilà, là ça a l'air d'aller. Il est tôt donc. Ça a l'air d'aller. Je passais une bonne journée cet après-midi, j'étais en réunion de 13h30 à 15h30, donc ça a été très rapide. Donc c'est cool. Je rentre chez moi. Je rentre chez moi et puis voilà.
je vais me poser. Il fait super chaud, hein, il fait 29 degrés. C'est l'été. C'est dommage qu'on n'ait pas mis notre piscine parce que là, l'eau elle aurait chauffé à mort, on aurait pu faire trempette et tout. J'en ai parlé à David, mais bon. C'est vrai que ça prend du temps, enfin ça prend du temps, faut le faire quoi. Mais là ça aurait été l'idéal quoi. L'idéal, petite trompette là. Moi je vous reprends tout à l'heure. Ah, ça fait du bien d'être à la maison, je vous le dis moi. 5h30, c'est cool. Bah, je suis rentrée avant 5h30. Hein. Je suis rentrée bien avant. On a eu, ça y est, encore un mot. Encore le papier pour en faire un auto-test, parce qu'il y a un cas dans la classe. D'Alexis. Et là, on a fait l'auto-test, et puis j'irai chercher le gratuit à la pharmacie, parce qu'avec le papier, on peut aller chercher gratuitement à la pharmacie. Mais comme j'en avais d'avance. Je lui ai fait, donc il est négatif. Ça faisait longtemps. Avant les vacances, avant qu'on parte en vacances, tous les 10 jours, on faisait un auto-test. On a un peu tendance à, enfin moi en tout cas, on n'en parle tellement plus aux infos, ni nulle part. J'ai plus de cas dans mon entourage qui l'a. On a l'impression que c'est pas parti, parce qu'on sait qu'il est toujours là, mais... C'est vraiment complètement... Je ne sais pas oublier, mais je sais pas comment vous expliquer ça. Mais... Et du coup, là, bah, ça te ramène à la réalité, quoi. Il est effectivement toujours là, donc je pense qu'il est quand même moins... Enfin, je peux mettre ça ni rien, mais bref. D'ailleurs, je ne vais pas du tout lancer le débat là-dessus, mais c'est juste pour dire que j'avais un peu tendance à me dire, bah... C'est fini, entre guillemets. Je dis entre guillemets. Et puis là, voilà, le petit mot qui revient. Mais bon, il est négatif. Et tant mieux, parce que comme on a vu mes parents dimanche... Donc voilà. Voilà, voilà. Moi, je pense que ça va... En fait, on a été tranquille, là, parce que c'était les vacances, tout ça, mais bon. Ah, quelle aventure. Je sais même pas si je vais regarder Koh-Lanta ce soir, parce que je suis tellement fatiguée, là, ce soir. Pourtant, j'ai bien dormi cette nuit, ça allait mieux. Là j'ai un gros coup de barre, mais ça ira peut-être mieux tout à l'heure, des fois après manger, ou ça va peut-être mieux, ça dépend. Ça dépasse. Donc je verrai au pire, je regarderai en replay demain. Ce n'est pas très grave, je vais voir comment je me sens sort, c'est vrai que ça finit quand même tard, quoi. Demain je vais pas me lever, parce qu'Alexis se lève tout seul et tout. À voir. Donc voilà. C'est le petit intermède dans le jardin. Il y a un ex, je sais plus si je vous l'ai dit, mais il a un oral la semaine prochaine, Alexis, pour le brevet, pas le brevet blanc, le brevet normal. Oh. C'est pas sur le rapport de stage, hein, le rapport de stage c'est déjà fait. J'ai déjà passé l'oral pour le brevet normal au mois de mars. Et je crains le pire. En fait, c'est pas très clair. Les consignes sont pas super claires. En fait, c'est un exposé. C'est un oral. Et il doit présenter. Il n'y a pas d'écrit. Enfin, il doit présenter un diaporama avec des images, mais il doit. Enfin, l'oral n'est pas écrit. Vous voyez ce que je veux dire? Contrairement au rapport de stage où tout était écrit, là, c'est pas le cas. Et je trouve ça un peu complexe. Enfin, moi, j'arrive pas à savoir exactement ce qu'il faut faire. Enfin. Et je lui dis, bah là, je vais pas pouvoir beaucoup t'aider parce que c'est toi qui as les cartes en main, c'est toi qui as suivi les cours, hein. C'est pas moi. Et donc demain, il va voir avec sa prof pour avoir des renseignements complémentaires parce que c'est chaud et marrant, quoi, c'est mardi prochain. Ça me fatigue. Franchement, ça me fatigue, ça me saoule. Apparemment, les autres n'ont pas trop commencé non plus. Mais ça m'étonne grandement. Mais si je pense que ouais, j'espère que demain il doit avoir sa prof, il va lui demander tous les points qui toutes les questions qu'il a, parce que j'ai regardé un peu quand même sur internet,
tu as certaines réponses à des questions qui t'expliquent un peu, mais bon, je me dis ça peut peut-être varier. Enfin, je veux dire, je veux être sûr, quoi, parce que... Et aussi, il a regardé, il a trouvé quelques pistes. En fait, quand je parle de regarder sur Internet, c'est pas de copier-coller un devoir déjà fait, enfin, un truc déjà fait. Hein. C'est de comprendre comment présenter le truc, en fait. C'est plutôt ça, dans la présentation. Voilà. Ça me fatigue. Et en plus, quand je suis un peu fatigué, ça me fatigue encore plus. Ça me tue, quoi. Ça me tue. Enfin, bref. Je pense, de toute façon, il va, de demain, ouais, il va s'y mettre un grand coup demain après-midi, là, parce qu'on est mercredi, non ? Il travaille pas l'après-midi. Et moi non plus, donc... Je pense que je vais faire réviser comme j'ai fait pour l'oral du rapport de stage. Mais je maîtrisais beaucoup mieux vu que c'était dans mon entreprise. C'était plus simple pour moi d'appuyer sur les trucs qu'il aurait pu oublier, qui étaient importants, enfin, un truc comme ça, quoi. Là, je vais le faire, En fait, c'est juste... comment dire ? Pour la fluidité de sa présentation, en fait. Qu'il ait l'habitude de dire... Enfin, bref. Je brouillonne moi-même, là, ce soir, tellement je suis... Bizarre. Salade du jardin pour ce soir. C'est cool. C'est trop cool, on n'a rien d'autre pour l'instant. Peut-être la salade. Et on mange la salade à tout va. On n'arrête pas. Hop. Ah, c'est cool. Oh, il fait trop chaud. Je crois que demain il fait moins chaud. Il me semble. Ah, il prévoit de la pluie ce soir à 21h, tiens. Ah non, demain c'est pareil. 29. Voilà, bon. Alors même si je travaille pas, je vais quand même aller préparer mes vêtements pour demain. Je crois que j'ai pas besoin, mais bon. C'est tellement une habitude que j'ai prise que je le fais. J'avais un peu fermé les volets dans la chambre pour... Ah, j'avais pas une lessive. Attendez. Je la ferai demain. Pour garder la fraîcheur. Bon, ça va. Pour garder la fraîcheur. Point. Bon, demain. En général, quand je suis en télétravail, je mets des trucs que je mets pas au boulot. Soit parce que je les aime moins ou plus, mais je continue quand même à les mettre. 58. T'as un t-shirt qui se casse la gueule. Hop. Donc soit. Parce que je les aime plus trop, je trouve moche, enfin, plus, je sais pas. Soit, je mets des trucs que j'aime bien aussi, hein, télétravail.
Ou soit parce que c'est trop ceci, trop cela, bref. Mais moi, comme je suis. Demain, je suis même pas en télétravail, en plus, je suis en congé. Ça change rien. Je vais mettre ça là. Petit t-shirt comme ça. Je l'ai acheté chez CA, ça fait longtemps que je l'ai celui-là. Faut que je. Mais tu vois, j'ai des hauts d'été que j'adore. Que j'ai depuis très très longtemps. Genre ça par exemple. Et en fait, vous vous en rendez pas compte, mais je sais pas si on le voit en vidéo, mais les couleurs elles ont passé. Quoique le rose, il paraît bien vidéo, le violet là. Mais ça a un peu passé les couleurs. J'adore parce que c'est ample, c'est long. Ça cache la misère. Ah non, c'est celui-là qui est le plus représentatif. Ah non, parce qu'il est à l'envers. Non, ça va, je les aime bien ceux-là. Bref. Et par exemple, ça, je l'aime moins. Ah si, il est pas mal. Bon, de toute façon, on n'a pas tous le même goût. Mais quand je vais au boulot, j'ai de privilégier les trucs un peu plus longs. Voire qui cachent les fesses. Voilà. Voilà, voilà. Et puis demain, je pense que je vais me mettre en Bermuda. Hop. Pour être mieux. Bermuda en jean. Oui, je sais pas pourquoi je prépare maintenant, parce que. Hop. J'ai tout à fait le temps demain, mais bon. Comme je vous dis, j'ai l'habitude. Demain, David, il est en télétravail. Hop. Voilà. Et je pose ça à la salle de bain. Putain, le vlog inutile, quoi, mais c'est pas grave. Il y a des vlogs. Vous avez des vlogs. Il se passe rien, il se passe rien, j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. C'est comme ça. Et pas autrement. Oh. Retour dans la cuisine et dans le frigo. Regarde ce qu'on mange ce soir, je pense que je vais faire des filets de limande là. Voilà. Je voulais faire une salade de. Oh, je suis dans le noir. Je voulais faire une salade de pâtes, mais. Parce que comme je suis rentrée tôt, j'aurais eu le temps que ça soit frais pour manger le soir. Mais le problème, c'est que j'ai eu la flemme. Donc voilà, donc je la ferai peut-être demain, par contre, ça a deux pattes. C'est une bonne idée. Je ferai ça, je ferai préparer demain matin. Parce que j'ai du thon, j'ai des. Comment ça s'appelle là? J'ai même du surimi, j'ai du maïs. Moi, j'ai tout en fait. J'ai des tomates. Ouais. J'ai tout ce qu'il faut. Demain, je vais peut-être faire ça dans ma traîne salade de pâtes. Bonne idée, les amis. Bonne idée. Plus Alexis m'en a réclamé une autre fois. Je pense que je vais clôturer parce que j'ai l'impression. Je vais faire le montage. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de minutes de rien en fait. Bref, donc je vais voir si je continue. Toujours pareil, je réfléchis. Et tant que je réfléchis, je filme. Donc c'est pas plus mal. Je vous dis à chaque fois la même chose, hein, mais voilà. Peut-être que demain il y aura plus d'action vu que je travaille pas. Mais et encore. C'est même pas dit parce que je peux pas faire 150 millions de trucs. Et en plus, comme David sera là, bah, je fais attention quand je filme, quoi, puisque bah il bosse. Enfin voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.